monde. Moi, c'est Ibrahim Atradiouf de la marque Traxel de Dakar. En fait, moi, je suis d'origine, je suis coordinateur de mode de plusieurs événements au Sénégal et un peu partout en Afrique. Mais là, j'ai lancé ma marque depuis moins d'un an. J'ai commencé en tant que mannequin dans un court temps et puis par conviction personnelle, je me suis lancé en backstage comme j'aimais trop la mode. Donc, je me suis lancé là en backstage. Au fil des années, j'ai été en backstage, dans l'ombre, comme on dit. Donc, et là, j'ai décidé de lancer ma collection, de lancer ma marque. Et j'en suis là à présenter ma collection au FESMA. Ben, le nom, c'est dérivé de Tra. On m'appelle Tra, c'est Ibrahim Tra Diouf. Et Axel, c'était un hommage à Axel Ba. C'est lui qui m'a un peu guidé dans la mode, qui m'a épaulé, qui m'a tout appris dans la mode en tant que backstage man. Donc, je lui avais donné déjà le nom de ma structure de mode, de coordination de mode, ça veut dire Traxel Style Mode. Et là, ma marque s'appelle Traxel, Dakar. Ben, comme un petit peu comme tout le monde, hein. J'ai un peu cheminé dans la mode. Des podiums, en backstage, j'en pense à. Remontant sur le podium maintenant, avec sous des habits de designer, why not? Disons que de 2000 à 2006, j'étais mannequin. À une période où j'assistais à Axel en backstage et tout. Donc c'est à partir de 2006-2007 que je me suis carrément consacré au backstage. Habitué les événements de la mode. Les expériences capitalisées, c'est riche de plusieurs années et de plusieurs styles d'événements. J'ai fait la rencontre de pas mal de personnalités dans la mode, de tout genre. Pas mal de, que ce soit designer, que ce soit de la presse, des icônes de la mode, des mannequins. C'est une riche expérience en fait. Très riche même, je dirais. Au départ, c'était backstage, comme je vous ai dit. Soit c'est directeur artistique pour des événements, soit c'est chef cabine. Ouais, c'est ça, en gros. En plus de créer des habits que je viens de commencer, je dirais que j'allie les trois. J'essaie alors. En fait, comme je vous ai dit, au départ, je suis coordinateur de mode. Soit directeur artistique ou chef cabine de plusieurs événements de mode en Afrique, comme je vous ai dit. En plus de ça, je me suis lancé dans la création. Et voilà, les trois. Je n'aime pas trop évoquer les mauvais souvenirs, franchement. Ben, pour moi, c'est le meilleur souvenir, c'est d'avoir... C'est en gros, en fait. C'est une succession d'événements, une succession de rencontres, d'échanges, de personnes qui m'ont pisté, avec qui j'ai cheminé dans la mode. Donc pour moi, c'est ça, c'est l'expérience que j'ai eue à travers les gens, à travers les événements qui sont les souvenirs en fait, les meilleurs. Ben d'y croire et de se donner les moyens de travailler surtout aussi. D'y croire et de travailler, ouais, et d'être patient, surtout patient. Ouais, d'être patient.